invité à vous lever. Bienvenue à l'église MLK. Nous allons commencer ces moments en adorant et louant notre Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Allez, on tape dans les mains. Seigneur, merci de te tenir à nos côtés, d'être avec nous. Seigneur, tu combats pour nous. Tu es avec nous face à nos épreuves, face à nos difficultés. Tu es là, tu te tiens avec nous. Alléluia. Je n'oublierai aucune de tes merveilles, car par l'Exode, tu vas franchir mon cœur. Tu m'as trouvé libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Tu as
la journée, ton feu la nuit, et une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, oh, déclarons-le. Seigneur, tu combats pour moi, je la avec nous.
savons que nous pouvons compter sur toi parce que tu es le seul Dieu. Tu es le Dieu infini, plus grand que nous pouvons l'imaginer. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Dessiner ta grandeur, qui pourrait dire ta bonté? Des millions d'anges louent ta splendeur. Mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, Dieu éternel. Qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu éternel et infini. Tu es Dieu. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continue. Dans ce moment d'adoration, nous exprimons nos mots devant Dieu. Peut-être que nous ne trouverons jamais les mots suffisants ou adéquats pour dire combien Dieu est grand, combien il est merveilleux. Et ce matin, nous allons essayer encore, nous allons laisser parler nos cœurs. Laissons parler nos cœurs ce matin. Ouvrons nos bouches, laissons parler nos cœurs. Disons à Dieu combien il est merveilleux, combien il est digne de louange. Louons-le pour ce qu'il a fait. Louons-le pour qui il est. Adorons-le. Élevons nos voix de partout dans ce lieu. Alléluia. Tu es digne de louange. Élevons nos voix.
Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon et Dieu est tellement grand. Vous savez, des fois, croyons que Dieu est bon, mais des fois la vie n'est pas à la hauteur de nos espérances. On fait face à des épreuves, à des moments de découragement. Ça m'est arrivé il y a un an et quelques de ça maintenant, alors que mon père était atteint d'un cancer au cerveau et qu'il est venu finalement à décéder l'année dernière. Et nous allons chanter un chant que j'ai composé pendant cette période-là, qui va être interprété par MJ. Et vous savez, pour tous qui ont fait face à la maladie, pour vous tous qui avez fait peut-être face à la maladie d'un proche ou de vous-même, il y a toujours cette dualité de savoir quand prier pour que le miracle arrive, parce qu'on croit qu'on a un Dieu de guérison, un Dieu qui fait des miracles encore aujourd'hui. Il y a aussi le moment où on fait prie face à la réalité de, éventuellement, cette personne-là va décéder, ou alors cette épreuve-là ne va pas passer. En fait, on ne sait plus comment prier à ce moment-là. Est-ce qu'on prie jusqu'au bout? On persévère jusqu'au bout? Est-ce qu'on prie même après? Comment on fait dans ces moments-là? J'étais pris avec ce dilemme-là. Et j'ai trouvé la réponse à cette question-là, ce dilemme-là, dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 3, verset 16. Alors que les amis de Daniel, qui ne voulaient pas se prosterner devant la statue du roi, ils ont été menacés de se faire jeter dans la fournaise ardente. Et à ce moment-là, ils ont répondu quelque chose qui est devenu pour moi un modèle de prière face à l'épreuve. Ils ont dit, notre Dieu peut nous délivrer. Notre Dieu va nous délivrer. Ça, c'est une prière de foi, c'est une déclaration de foi. Et ils ont continué dans la foi parce qu'ils ont dit, et même s'il ne le fait pas, nous adorerons lui seul. Amen. Ce matin, je vais vous inviter à chanter un Alléluia dans tous les moments. Chantez un Alléluia pour déclarer que Dieu peut, que Dieu va faire le miracle que vous attendez. Et si le miracle n'arrive pas, continue de chanter Alléluia, de dire même si je ne le vois pas, que ma prière s'épuise, que je n'arrive plus à prier pour ça, je vais continuer de chanter Alléluia parce que Dieu reste Dieu, même quand notre problème ne se résout pas. Amen. Amen. Chantons ensemble Alléluia. Je chanterai.
Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Bienvenue, bienvenue à MLK. Vous êtes bien? Vous n'avez pas trop chaud, pas trop frais? Vous avez regardé votre voisin, votre voisine, vous êtes au bon endroit? Ça va? Super. Moi aussi, je suis bien. En fait, je voudrais voir avec vous quelques petites choses. On va faire un petit voyage ensemble. D'abord, comment se passe les choses dans ton cœur quand ton environnement est bouleversé, quand tu es dans un nouvel environnement, nouveau travail, la vie de famille, la famille s'agrandit, nouvelle ville. Dans la Bible, dans le livre de Daniel, on voit trois jeunes gars et le quatrième, Daniel lui-même, qui sont dans un nouvel environnement et on va voir ensemble ce qui se passe. Au verset 27, Daniel 3, on lit ceci. On va voir une partie de leur histoire. Les conseillers du roi se rassemblèrent pour examiner ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Le feu, ça te parle? On parle ici de se brûler, du feu. Il y a quelque chose qui se passe quand tu prends ta théière, tu veux te faire un thé chaud. Tu imagines quand tu te brûles la main ce qui se passe? Là, je ne suis pas en train de parler de ça, mais on parle vraiment du feu. C'est quelque chose de particulier. Et là, on va voir ensemble que le Seigneur, quelle que soit l'épreuve que tu passes, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu peux te trouver, le Seigneur, lui, il te dit qu'il sera toujours avec toi. Non, je crois que tu n'as pas réalisé ce que je suis en train de dire. Toi qui es en ligne avec moi, est-ce que tu comprends ça? Le Seigneur a promis d'être toujours avec toi.
il n'a pas promis que les choses seraient faciles. Il n'a pas dit « je te mets sur un chemin de facilité, je te mets sur un boulevard de pétales de rose ». Non, il n'a pas dit ça. Il a dit « je serai avec toi », tout simplement. Alors on va voir ensemble trois degrés. Comme pour le feu, vous savez, on peut être brûlé au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré. Donc l'épiderme, le derme, l'endoderme, pour les biologistes, hein, si vous voulez. Premier degré, tu te retrouves dans une nouvelle configuration. Tu te retrouves avec un nouveau travail. Tu te retrouves dans un nouveau lieu géographique, dans un nouveau contexte, à devoir apprendre une langue nouvelle. Tu peux te retrouver même bouleversé dans tes fondements. Là, le Seigneur te dit, même dans un nouvel environnement, tu vivras. Même dans un nouvel environnement, je vivrai. On va voir ensemble, regardez. Il y a 30 ans, je me retrouve au Congo-Kinshasa. Je suis à une centaine de kilomètres de la capitale et je fais mes études. Je suis inscrit en médecine et il va y avoir les sessions dans 3-4 semaines. Et on est en blocus, on révise, on travaille, etc. Et un certain mercredi, coup de fil, ma sœur était à 30 kilomètres plus loin. Un mercredi, coup de fil de papa, il dit « ça y est, j'envoie ta maman avec le chauffeur, on vient vous chercher et vendredi, vous voyagez pour aller à Bruxelles et ensuite en France pour continuer vos études. Oh, » waouh, quel choc. Quelqu'un dirait « yes, ça y est, je vais y aller. » On a fait le vol avec ma sœur, 8 heures de vol. On était assis côte à côte, mais on n'a pas fait le même voyage. Pour ma sœur, c'était un moment où elle vivait ses rêves, elle était contente de faire ce voyage, elle prévoyait déjà beaucoup de choses. Là-bas, on pouvait continuer de faire nos études. Au Congo, c'était un peu plus compliqué avec la situation politique, etc. Et là, moi, juste à côté, en pleure tout le trajet. En pleure. Le froid. Les gens, moi j'étais au Congo, il y avait des noirs partout. De temps en temps, on voyait des, n'est-ce pas? Et là j'arrive, il y a plusieurs couleurs. Et puis on ne mange pas la même chose, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qui se passe? Je pleure. Et dans l'avion, ceux qui étaient avec moi, plusieurs sont venus pour voir ce qui se passait, etc. Est-ce que, voilà. Et de me dire, Ozole la nini. Je crois qu'il y a des Congolais qui ont compris là. Pourquoi tu pleures? Et quelques-uns m'ont dit, Ozole la Kinshasa. Tu pleures sur Kinshasa? Tu regrettes Kinshasa? Voyez-vous, pour ma sœur, c'était un moment où elle se projetait vers de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Mais pour moi, c'était un moment difficile parce que je quittais ce que je connaissais et j'allais rejoindre des choses, des gens que je ne connaissais pas. Bien sûr, j'arrivais en famille. Peut-être que comme moi, le déracinement peut venir, des changements peuvent venir. Mais quand les changements sont là, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu devrais réagir? Comme lors d'une émigration, par exemple, un changement de contexte, un changement de lieu. Il se produit un changement brusque dans ta vie, peut-être. Pour certains, ça peut aller même jusqu'au changement de nom, ça peut aller même jusqu'au changement de croyance, changement de régime alimentaire, n'est-ce pas? Parce que l'environnement a changé. Mais l'environnement qui change, ça peut être pour toi. Pour toi qui me suis en ligne, ça peut être aussi l'occasion de belles opportunités. Ça peut être porteur d'opportunités, peut-être pour quelqu'un de terminer ses études, l'opportunité de pouvoir commencer un nouveau travail, l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses. Dis-toi, rencontrer des personnes clés qui vont avoir un impact différent dans votre vie, s'enrichir de nouvelles expériences, etc. Dis-toi que dans la Bible aussi, il y a un passage où on voit 4 jeunes hommes qui sont de lignée royale, 4 jeunes hommes qui sont dans un environnement très sécurisé, qui sont des nobles, fils de nobles, etc.
et ils sont arrachés à leur contexte, ils sont arrachés à leur pays, arrachés à leur langue, et ils sont emmenés en Babylonie. Quelque chose de terrible. Ils sont enlevés, arrachés à chez eux. Tout change. Tout change. La culture change. La langue change. Les croyances changent. Et ça va, dis-toi, toi qui es avec moi en ligne, vous qui êtes là dans la salle, dis-toi qu'on change jusqu'à ton nom. Je ne sais pas, mais moi quand on m'appelle, on dit Patrick, mais je me retourne parce que c'est mon nom. Mais si tu m'appelles Benoît, mais je ne vais pas répondre puisque je ne suis pas Benoît. Imagine-toi ce qui se passe lorsqu'on vient de changer ton nom. Pour moi, je disais Benoît, hein, c'est ça? Tu te souviens? Benoît. Et je sors là de la célébration et tu m'appelles Benoît, Benoît, Benoît. Ce n'est pas mon nom. Tu dois te faire à ton nouveau nom. Et c'est ce qui leur est arrivé. Daniel est devenu Belshazzar. Misraël est devenu Meshach. Azaria est devenu Abednego. Ce n'étaient plus les noms qu'on leur avait donnés à leur naissance. Quand ton contexte, quand ton épreuve, quand la période que tu traverses devient difficile, tu te retrouves comme dans des flammes, tu te retrouves comme dans une oppression où tu te dis, ce qui m'arrive là, peut-être que je vais me consumer, peut-être que je vais flancher. Est-ce que je vais tenir ? Tout à l'heure, je t'appellerai à te positionner. Tout à l'heure, je te dirai, si tu le veux bien, prends position par rapport aux choses qu'on est en train de partager ensemble. Parce que, quelque part, Dieu, lui, il s'est déjà positionné. Et je t'inviterai à te positionner aussi. Alors, Daniel, il rend service au roi. Il y a un rêve à interpréter. Et le roi va voir les sages, va voir les magiciens de son royaume. Et il leur dit... Il était fin, ce roi, Nebuchadnezzar. Il ne leur dit pas, voici mon rêve, j'en veux l'interprétation. Non, 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 trop facile. Vous savez, les gens qui prophétisent après coup, c'est facile, hein, de dire, mais oui, je t'avais dit que tu allais tomber enceinte. Ben, évidemment, elle est mariée. En fait, là, le roi, il a corsé la situation. Il leur dit, j'ai fait un rêve, vous me révélez mon rêve, ensuite, vous m'en donnez l'interprétation. Waouh! Et David, il arrive, Daniel, il arrive, il donne le rêve, il en donne l'interprétation. Et là, vu qu'il a rendu ce service au roi, le roi l'élève en responsabilité et les trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont élevés en responsabilité dans ce royaume. Et il se passe quelque chose. Toi, dans un nouvel environnement, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tout change. Mais dans ce nouvel environnement, il faut que tu te positionnes par rapport aux valeurs spirituelles, par rapport aux valeurs morales, par rapport aux valeurs culturelles dans ce nouveau lieu. Eux, ils devaient choisir, ils devaient se positionner. Voyez ce qui leur est arrivé. Le roi Nebuchadnezzar, il leur fait une demande. Deuxième degré, même face aux menaces, même face aux menaces de mort, je vivrai. Lisez avec moi. Qu'est-ce qui se passe dans ce nouvel environnement? Verset 15, Daniel 3. Maintenant, êtes-vous prêts au moment où vous entendrez le son de toutes sortes d'instruments de musique? Êtes-vous prêts à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans une fournaise où brûle un feu ardent. Et quel Dieu vous délivrera de mes mains. Regardez cet homme, il ne se prend pas pour un petit quelque chose. Il se prend pour un grand quelqu'un. Il dit, je suis tellement élevé en dignité, en puissance et en autorité, que si vous ne faites pas ce que je vous dis, aucun Dieu, en ligne là, tu réalises, aucun Dieu ne vous délivrera de ma main. Je suis tellement fort que personne ne peut vous délivrer de ma main. Des paroles menaçantes, des paroles de mort, je dirais, parce qu'il n'est pas en train de leur dire, si vous ne vous prosternez pas, je vais vous faire un gros câlin. Il est en train de dire, je vais vous jeter dans une fournaise. Et ça me fait penser
à un moment d'épreuve, à un moment de difficulté que j'ai traversé. Je ne sais pas si vous vous rappelez mars 2020. Covid-19, première vague. Je suis sur un lit d'hôpital. Comme beaucoup à cette période, certains ont perdu la vie. On pense aux familles qui ont perdu un proche dans ces moments-là. Que le Seigneur les bénisse, qu'il les fortifie. Je pense à toi peut-être qui vis encore avec des séquelles du Covid-19. Mais là, j'étais sur mon lit d'hôpital pendant 5 jours sur ce lit, sous oxygène. C'était ça la scène dans laquelle je me trouvais, avec du mal à respirer. Je ne sais pas si tu réalises que respirer, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Respirer, c'est 2 actions. Inspirer, expirer. Mais on le fait si naturellement qu'on ne s'en rend même plus compte qu'on est en train de le faire. Et là, j'avais du mal. Ma poitrine me faisait mal. Il y avait une barre, ça m'écrasait là, lorsque j'inspirais. Et lorsque j'expirais, j'avais encore plus mal et j'avais de la fatigue. Il arrive quelque chose dans ta tête où tu te dis, et cette voix qui me disait, arrête de respirer, ça ira mieux. Je vous garantis, quand j'arrêtais de respirer, j'allais mieux. Je n'avais pas mal, je n'avais pas cette barre sur la poitrine, je n'étais pas fatigué. Ah, je t'entends d'ici, tu es en train de dire, pasteur, tu étais un poisson, tu respires sous l'eau, tu fais de l'apnée, t'as fait combien, je compte, non. Apnée, je ne connais pas trop. Donc, ce n'était pas évident. Mais une menace était là, elle était certaine. Et de me dire, si j'arrête vraiment de respirer comme cette voix est en train de me proposer, je vais mourir. Et dans mon cœur, ce cri vraiment à Dieu, puisque c'est difficile même de sortir les mots pour prier, pour demander à Dieu quelque chose. C'était intérieur. Et là, j'ai réalisé quelque chose. J'ai vécu quelque chose. J'étais dans une bulle, mais complètement enfermé dans cette bulle. Et dans cette bulle, ce n'était pas la souffrance, ce n'était pas la douleur que je ressentais. Je ressentais de l'amour. De l'amour. Un amour comme tu ne peux pas imaginer, comme je n'ai jamais vécu avant. Je me sentais aimé. Je me savais aimé. Et ça me faisait tellement de bien. Et je ressentais sur ma peau, sur mon corps, je ressentais les prières des bien-aimés qui priaient pour moi. Et ça m'a donné, je te garantis, un boost, ça m'a donné une fraîcheur. J'avais toujours du mal à respirer, j'avais toujours mal, mais ça m'a donné la force d'affronter la maladie, de lui faire face. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, tu me prendras peut-être mon souffle, mais tu ne me prendras pas l'amour de mes bien-aimés. Tu ne me prendras pas l'amour que je leur porte. Et là, j'étais mieux. Et vous savez, dans ces moments-là, il y a comme un chant qui monte de ton cœur. Et ce soir-là, c'était « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Est-ce plus important de vivre, de respirer? Est-ce plus important de réaliser que Dieu qui est bon m'aime et qui prend soin de moi? Vous vous souvenez? Pour ceux qui le connaissent, mes lèvres célébreront ta louange. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en son nom. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Si tu as envie, c'est une grâce de Dieu. Si tu as envie, c'est parce qu'il te renouvelle son souffle, qui donne gratuitement. La sécurité sociale permettait que je respire. Ça coûte hein, à quelqu'un, mais là, Dieu il te donne de respirer gratuitement. Même dans le feu, je vivrai. 3e degré. Même dans le feu, je vivrai. Tout à l'heure, il était question d'un environnement différent dans lequel je vivrai.
On vient de voir ensemble, même face à des menaces, jusqu'à des menaces de mort, je vivrai. Et là, même dans le feu, je vivrai. Qu'est-ce qui se passe ? Verset 19, on est toujours dans le chapitre 3. Alors le roi Nebuchadnezzar fut rempli d'une colère et son visage devint blême. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose. Juste avant, au verset 16, lorsqu'il leur dit, vous allez vous prosterner devant cette statue, écoutez la réponse que les trois jeunes gens lui font. Ils lui disent, ô roi Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer ainsi de tes mains, ô roi, mais s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue que tu as fait ériger. Attends. Tu es avec moi ? Reste avec moi, s'il te plaît. On parle de quoi, là ? On parle de quelqu'un qui t'a rendu un service. On parle de quelqu'un, alors que tu étais déporté, alors qu'on t'avait emmené dans un autre pays, lui te prend, il te dit, vous allez leur donner les mêmes mets qui sont de ma table. On parle de quelqu'un qui leur donne des privilèges, qui les élève en responsabilité. Et il te dit, tout le royaume, lorsqu'ils entendent le son, ils se prosternent. Je vous demande juste, par reconnaissance, juste parce que je vous ai aidé, juste parce que vous m'êtes redevable, je vous demande de vous prosterner aussi. Et ces trois jeunes gens, ils lui disent non. On ne le fera pas parce que nous, on a notre Dieu. Et même s'il ne nous délivre pas, on ne le fera pas. Tu es toujours là ? Nous, c'est il va nous délivrer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il fera, ton feu me fera rien. Au nom de Jésus. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit, même si on n'est pas délivré, même si on va passer par le feu et qu'on y laisse la vie, on choisit d'obéir à notre Dieu. Un affront public à ce roi. Et quelque part, c'est tellement clair qu'ils disent, nous, on ne va pas désobéir, même si l'épreuve est là, même si on passe par la fournaise. Alors écoutez ce qu'il leur dit. Verset 19. Alors le roi Nebuchadnezzar fut rempli d'une fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego, et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de faire chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques vigoureux des soldats de sa garde de ligoter solidement Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise chauffée. Mais comme l'ordre du roi avait été de chauffer la fournaise au maximum, les flammes qui en jaillissaient firent périr les soldats qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les trois ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. C'est-à-dire que là, ton obéissance à Dieu, ton allégeance à Dieu, ta détermination à dire « Moi, je veux rester fidèle et je veux rester avec Dieu. » Écoute, même toi dans la salle, toi qui me suis en ligne, réalise que ça ne va pas enlever les conséquences. Les conséquences, c'est qu'ils allaient dans la fournaise quand même. L'épreuve est là quand même. Et dans l'épreuve, le feu agit sur toi, comme naturellement le feu est capable d'agir. Une des choses que le feu fait, c'est qu'il purifie. Vous savez, quand vous avez de l'or et que vous voulez l'épurer, une des techniques qui est utilisée, c'est de chauffer l'or très, très, très haut en température, de sorte qu'il devienne liquide, et on écume en enlevant les impuretés. Je t'entends d'ici, tu es en train de me dire, « Pasteur, tu dis quoi ?» On a fait déjà une fois, c'est chaud. Tu es en train de dire que ça va être 7 fois plus? Oui, c'est écrit 7 fois plus. Le feu qui purifie,
sépare l'or des impuretés. Et pour toi aussi, il est peut-être question que je sois séparé des compromis que je serai peut-être tenté de faire, comme les sujets du royaume. Que je puisse être épuré, que je puisse réaliser que je vais garder, je vais rester focus sur mes valeurs morales, sur mes valeurs spirituelles, sur la parole de Dieu, au lieu de faire un compromis. Ou peut-être même une dernière chose, c'est de rester m'accommoder de la situation. Parce qu'après tout, on m'a déjà déporté dans un autre pays, on m'a déjà donné un autre nom, j'ai déjà une autre religion, j'ai déjà une autre langue. Je peux continuer comme ça, tant pis, je fais comme les autres. De toute façon, on ne remarquera même pas. Mais eux, ils ont choisi de faire l'inverse. La conséquence, ils ont été ligotés. Ils ont été jetés dedans. Et le pasteur Patrick Bonhomme, il m'a partagé quelque chose par rapport à ce 7 fois plus que je voudrais vous partager ici. C'est que dans le 7 fois plus, 7 c'est le chiffre de Dieu, vous savez, hein, les 7 esprits de Dieu, etc., etc., qu'on retrouve dans la Bible. On parle plusieurs fois de 7, 7, 7. C'est que le méchant, il a une parole dans laquelle, parce que Dieu est là dans ton épreuve, Dieu se glorifie malgré les paroles du méchant. Non, je crois que certains ne sont pas venus. Dieu se glorifie malgré les paroles du méchant. Ah là là, j'aimerais que quelqu'un me dise ce qui se passe. Dieu se glorifie malgré les paroles du méchant. Dieu se glorifie malgré les paroles du méchant. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, quel Dieu vous délivrera de ma main? Et Dieu, il répond à cet affront qui lui est fait. Dans l'épreuve, il est là. Qu'est-ce qui se passe? L'effet qui était désiré de les détruire n'a pas eu d'effet sur eux. Est-ce que vous voulez qu'on voit ça ensemble? L'effet du feu n'a eu aucun effet sur eux. Malgré qu'ils ont été ligotés, malgré qu'il y a eu quelque chose pour lesquels, des choses pour lesquelles on dirait « là c'est la fin pour eux », ça ne s'est pas passé comme prévu. Il s'est produit l'incroyable. Verset 24. « C'est alors que le roi Nebuchadnezzar fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressa à ses conseillers et demanda « N'avons-nous pas jeté 3 hommes, tous ligotés dans le feu ?» Ils répondirent au roi « Mais bien sûr, majesté !»« Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. » Sans subir aucun dommage corporel. Je sais pas si tu... Sans subir aucun dommage corporel. Et le quatrième a l'aspect d'un des fils de Dieu. Puis Nebuchadnezzar s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et se mit à crier. Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez de là et venez ici. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent au milieu du feu. Vous imaginez, c'est comme si c'était une balade, hein, une promenade. Ils sont entrés dans une fournaise comme ça et puis après, hey, venez, sortez, oui, oui, on est là, tout va bien. Oh, on parle d'une fournaise quand même. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du feu. Les conseillers du roi se rassemblèrent pour examiner ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, aucun effet sur leurs cheveux. Les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés. Tu as déjà pris du feu sur tes vêtements? Juste quand tu as repassé avec un peu trop de chaleur, ça brûle, hein? Et qu'ils ne sentaient pas l'odeur du feu. Ils ne sentaient pas l'odeur du feu. L'épreuve, le feu, n'a pas pu les détruire. Mes amis, c'est dit qu'ils étaient dans le feu, qu'il y avait un quatrième homme qui marchait avec eux. Mes amis, ils marchaient dans le feu. Ils marchaient dans le feu. Ils marchaient dans l'épreuve. Est-ce que tu veux marcher au milieu de ton épreuve? Ils n'étaient pas allongés dans l'épreuve.
Ils n'étaient pas en train de se lamenter dans l'épreuve. Ils étaient en train de marcher. Alléluia. Ils marchaient dans l'épreuve. La fournaise, cette épreuve, le feu, elle révèle ton odeur, ta véritable odeur. Vous vous souvenez quand on se prépare là, mesdames, Chanel numéro... Parce qu'on dit, je le vaux bien. N'est-ce pas? Tu sais quoi? Même sans ça, tu le vaux quand même. Parce que la Bible nous dit, monsieur, madame, nous sommes des créatures si merveilleuses. Toi qui nous regardes derrière ton écran, tu es une créature merveilleuse. Jésus t'aime. L'épreuve, l'odeur du feu, révèle leur véritable identité, ce qu'ils sont en réalité. Cette odeur-là qui est ressortie, c'est l'odeur de Jésus. Dans ton épreuve, tu dois faire ressortir l'odeur de... Non, il y en a qui ne sont pas là. Dans ton épreuve, tu dois faire ressortir l'odeur de... Jésus. Alléluia. L'odeur de Jésus. C'est-à-dire, sa vie en nous. Sa vie en nous produit une odeur qui, malgré l'épreuve, nous ne sommes pas en train de nier l'épreuve, qui, malgré l'épreuve, fait ressortir l'odeur de Jésus en nous. Dans ton épreuve, dans la fournaise que tu traverses, est-ce qu'il va en sortir quelque chose de bon? Pas de compromis. Même sans délivrance, je choisis de rester fidèle. Même s'il ne me délivre pas, je choisis, je me positionne. Comme tout à l'heure, je te demanderai de te positionner. Parce que lui, il est là. Le Seigneur est avec eux dans l'épreuve. Le Seigneur est avec eux dans la fournaise pour leur garantir la vraie liberté. Ils étaient en train de marcher alors qu'ils avaient eu des liens avant. Et que ces liens ont été rompus et que là, c'était la marche nouvelle. Leur intégrité, leur positionnement devant l'épreuve leur a permis de rester fidèles à la parole de Dieu et de regarder à Dieu seul. Parce que quand tu regardes à l'épreuve, tu brûles, mais quand tu regardes au Seigneur, tu es libre et tu marches malgré ton épreuve. Les hommes peuvent nous limiter, mais Dieu, lui, il veut nous élever. Même dans l'épreuve, Dieu veut t'élever. Ce passage, c'est un passage pendant quelque temps qui me posait pas mal de problèmes. Aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise avec ça. C'est 1 Corinthiens 10, 13, si vous voulez lire avec moi. L'apôtre Paul, il écrit aux chrétiens de Corinthe et il leur dit ceci. « Il ne vous est survenu aucune tentation, aucune épreuve qui n'ait été humaine et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu veut que je surmonte ce qui m'arrive, que je supporte et que je puisse en sortir. Pourquoi? Parce qu'il a déjà la solution avant que l'épreuve n'arrive. Avant que ça ne t'arrive, Dieu a déjà prévu le moyen pour toi. Tu ne connais peut-être pas encore la solution, mais lui, il l'a. Et il est avec toi. Et il est présent avec toi. Je voudrais te dire, je vivrai. Parce que le Seigneur m'accompagne. Parce qu'il est avec moi. Et je voudrais, alors que je suis sur la fin de ce moment de partage avec toi, je voudrais te poser une question. Un cœur à cœur avec toi, toi qui es dans la salle, toi qui es en ligne avec moi, est-ce que tu connais ce quatrième homme? Est-ce que tu sais qui est ce quatrième homme qui marchait avec eux dans la fournaise? Ce quatrième homme, il a comme désactivé les flammes. C'est comme s'il avait absorbé les flammes et qu'il avait fait ressortir son odeur. Qui est ce quatrième homme? Il y a un texte des années 50 du pasteur Oral Roberts que m'a partagé le pasteur Yvan.
qui parle de ce quatrième homme. Et ce texte nous dit que ce quatrième homme, il est présent dans toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, il est là, et dans le Nouveau Testament, il est là. Qui est ce quatrième homme? Ce quatrième homme, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, on l'appelle le Messie. Dans le livre de Marc, on l'appelle le faiseur de miracles. Dans le livre de Luc, c'est le Fils de l'homme. Dans le livre de Jean, c'est le Fils de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, c'est celui qui envoie le Saint-Esprit et qui se met en action. Mais comment parler de cet homme? Comment parler de ce quatrième homme? Il est ton rédempteur, il est ton justicier, il est Christ, il est la plénitude, il est celui qui pourvoit, il est ta sanctification, il est le médiateur. Le quatrième homme, qui est-il? Il est le faiseur de miracles, il est celui qui envoie le Saint-Esprit, il est ton ami. Et enfin, dans le livre de l'Apocalypse, ce quatrième homme, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut donner une acclamation? Oh, je marche dans l'épreuve! Je marche dans l'épreuve! Je ne suis pas seul, il est avec moi. Il est ce quatrième homme qui est avec moi. Et je voudrais te dire, dans un nouvel environnement, quand tu auras des paroles de mort, des paroles de menace, tu vivras. Même quand l'épreuve sera jusqu'à 7 fois plus forte, tu vivras, car Jésus, le quatrième homme, il est avec toi. Il sera avec toi, quand bien même tu traverserais le feu, il sera présent.
il était avec moi dans le feu. Il sera avec toi. Souviens-toi que je t'ai dit tout à l'heure que j'allais te demander de te positionner. C'est le moment. Au milieu de nous, toi qui me regardes en ligne, tu te poses la question de savoir, mais comment je peux faire pour que Jésus soit là? Comment je n'arrive même pas à savoir s'il est avec moi ou pas, tellement c'est difficile. Mais Jésus te dit, je suis là. Il est là à tes côtés. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est revenir à Jésus. Revenir à réaliser qu'il a toujours été là, que tu n'as plus fait attention à lui et que tu veux maintenant revenir à lui. Lui faire à nouveau confiance, le laisser guider tes pas. Peut-être aussi pour quelqu'un d'autre, c'est de te lever pour quelqu'un qui n'est pas là, quelqu'un qui n'a plus la force d'appeler Jésus. Je voudrais te demander de te positionner. Je te demanderai physiquement d'ouvrir tes bras, de tendre tes bras et de dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Si tu le fais pour toi, si tu le fais pour quelqu'un d'autre, tends tes mains et dis-lui, oui Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de réaliser que tu es là. Pour quelqu'un d'autre, de dire, oui Jésus, j'ai essayé sans toi. Maintenant, je veux que tu viennes dans ma vie, que tu guides ma vie, que tu me conduises dans ta présence, dans ta parole. Malgré les flammes de l'épreuve que je traverse, je veux traverser ça avec toi. Je veux te faire confiance. Je prie avec toi, toi qui es en ligne, prie avec nous. Seigneur Jésus, je te présente ces bien-aimés. Nous réalisons que tu es toujours présent. Nous réalisons que même si parfois nous ne faisons pas attention à toi, tu es avec nous. Dans le feu, dans l'épreuve, tu es présent. Je te prie pour ces bien-aimés, ces amis qui tendent leurs bras en signe de foi, qui s'attendent à toi. Je te prie pour quelqu'un qui revient afin qu'il se sente accueilli, aimé, considéré, aidé par toi. Merci pour ta bienveillance, ton amour, Seigneur. Merci pour ceux qui sont dans l'épreuve, pour lesquels tu leur fais réaliser et sentir ta présence. Merci pour ceux que tu vas soulager, guérir, restaurer, relever. Merci pour ceux qui se lèvent pour quelqu'un d'autre. Souviens-toi d'eux. Pose ta main là où ça fait mal. Guéris et guéris encore, car tu es celui qui est notre sauveur, celui qui est le berger de nos âmes, qui nous permet de pouvoir marcher avec lui jour et après jour, sachant que tu prends soin de nous. Nous élevons encore ton nom dans le bon nom de Jésus. Amen et amen. Nous acclamons le Seigneur, celui qui fait ces choses. Alléluia. Aucun autre nom comme le nom de Jésus. Amen. Lui qui était et qui est sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seul. Oh, déclare-le de tout ton cœur. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai. Tu es là, yeah.
foi. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve parce que je sais qu'il est là. Amen. Quel privilège de savoir que nous avons quelqu'un qui nous accompagne, même quand ça va mal. Ça va bien, il est là. Ça va moins bien, il est aussi là. J'ai un petit coup de cœur avant les annonces. On l'a fait de toute façon au premier culte. Je voudrais qu'on puisse remercier les musiciens, l'équipe de Louange, s'il vous plaît. Et au travers d'eux, tous ceux que vous ne voyez pas, vous avez vu ceux qui sont à la sécu, à l'accueil, mais il y a beaucoup d'autres qui sont derrière les rideaux et d'autres, dans d'autres endroits du bâtiment qui travaillent. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, au travers de ces moments, et pour toi qui es en ligne avec nous, nous voulons réaliser que c'est peut-être encore difficile pour quelqu'un. On voudrait te donner l'occasion de pouvoir prier. On voudrait te donner l'occasion de pouvoir t'approcher de Jésus, de vivre quelque chose avec lui. Si tu as besoin de la prière, approche-toi sur ta droite, au devant, à la fin de cette célébration. Et une équipe de prière, ils ont vraiment un cœur pour Dieu, un cœur pour la prière. Ils aiment les gens. Ils vont prier avec vous. Ils vont prendre le temps pour prier avec vous, prier avec toi. Et toi qui es avec moi en ligne, je te demanderai de pouvoir juste écrire ton sujet de prière sur prière@eglisemlk.fr ou encore dans la ligne de prière, tu peux appeler et une personne dans les matins et les après-midi prend le temps de prier avec toi en ligne. Vous êtes nouveau? Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois ici? Levez juste la main, faites-nous un coucou, vous êtes là pour la première fois. Bienvenue à vous! Bienvenue à MLK! Vous êtes à la maison, bienvenue à la maison. Vous êtes nouveau aussi en ligne, signalez-vous sur le chat, on se fera une joie de vous accueillir. Dites « Je suis nouveau », vous nous dites la ville d'où vous venez, d'où vous nous suivez. Et pour vous qui êtes dans la salle, au rez-de-chaussée, dans notre entrée, vous avez l'espace bienvenue où vous pourrez aller poser une question, prendre des nouvelles, avoir des infos concernant MLK. Il y a une équipe qui se fera une joie de vous accueillir. Ensuite, vous êtes dans un beau bâtiment. Vous avez des belles personnes autour de vous qui sont motivées, qui sont impliquées. Vous avez vu que la moquette, elle est cirée, elle est repassée. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez vu que le bâtiment est en soin et c'est parce que vous pourvoyez à tout cela. Merci à ceux qui donnent, merci à ceux qui soutiennent. Et pour vous qui voulez nous soutenir par vos dons, par vos dîmes, par ce que vous voulez mettre au service du Seigneur pour l'annonce de l'Évangile, vous pourrez en sortant du bâtiment ici, aller sur votre gauche et vous avez le point finance où vous pourrez venir et nous soutenir. Pour vous qui êtes en ligne, jeveuxdonner.fr, vous pourrez ainsi nous soutenir pour l'annonce de l'Évangile. YouTube, vous qui nous suivez, juste un pouce pour dire un like et partager les vidéos avec des amis, avec des personnes qui en ont besoin. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, petit coup de cœur avec les musiciens, même si je sais qu'on est à Paris, on est chez eux, hein. Mais je voudrais un coup de cœur aussi pour mon ami marseillais Sébastien Korn. C'est Marseille bébé. On va pas leur dire allez l'OM, ça va pas être on fera pas. Par contre, on voudrait remercier Sébastien pour ce qu'il est pour la francophonie, pour les bénédictions que nous avons au travers de ces chants. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. On va se réjouir, hein. Dieu est avec nous tous les jours, il combat pour nous, il est à nos côtés. Donc c'est un jour de joie aujourd'hui. Je t'invite à nous rejoindre, tout simplement. Oh, 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 oh.
Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.